Hello tout le monde. Désolée pour ce petit retard de vidéo. J'avais pas tellement la motivation et aussi j'étais un petit peu malade aussi. Du coup voilà, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo assez utile si vous êtes en survie, surtout dans une grotte. Enfin, bon, ça demande un petit peu d'aménagement nécessaire, mais bon. Pour ce tuto, n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo. Merci encore pour les derniers arrivants sur ma chaîne. Et bah voilà en fait. N'oubliez aussi pas de rejoindre mon serveur Discord où il y a régulièrement des concours pour peut-être faire une vidéo avec moi. Notamment, j'ai prévu de faire des trucs pour la survie modée. Vous allez vite comprendre. Enfin, je sais pas combien de temps ça va encore prendre. Du coup, pour le moment, c'est un petit peu pause et il y aura beaucoup plus de tutos. J'espère que cela vous plaira et si jamais vous avez des suggestions de tutoriels, eh ben, mettez-les-moi dans les commentaires. Voilà. Sur ce, je vais tout de suite commencer le tuto. Du coup, bah alors pour commencer, en fait, il vous faudra une lampe redstone. Donc c'est ça ce qui vous dira quand est-ce que vous pouvez aller dormir. Voilà. Bon, vous pouvez aussi mettre un cadre en haut, comme ceci. Et je sais même plus où c'est ça les montres. Où est-ce que c'est les montres? C'est pas dans redstone. Où est-ce que c'est? Ah voilà, c'est en outil. Vous pouvez mettre une montre. Voilà. Comme ça, en plus, vous pourrez voir quand est-ce que vous dormez. Enfin, vous pouvez voir à peu près où vous en êtes. Du coup, ensuite, vous pouvez prendre n'importe quel bloc. Vous faites un L comme ceci. Du coup, juste au-dessus de la lampe. Ensuite, vous allez prendre un dropper. Voilà. Et deux comparateurs. Du coup, comme ceci et comme cela. Oups. Voilà. En dernier, un daylight detector que vous allez inverser parce que sinon le système il va fonctionner à l'envers. Voilà, du coup bah c'est déjà la fin, à part que j'ai oublié de mettre deux stacks de redstone dans le hopper. Voilà, donc ça va faire un petit blocage. Du coup voilà, maintenant on va faire le petit test. Du coup, grâce à la commande slash 7 non, c'est le contraire. Slash time set. Du coup, night. Du coup, voilà. Le système va fonctionner. Voilà, comme ceci. Ensuite, vous allez pouvoir dormir. Voilà. Une fois que vous avez dormi, et ben, la lampe, elle va s'éteindre. Voilà, parfait. Du coup, franchement, c'est un système assez simple, mais qui des fois peut vraiment être intéressant. Du coup, comme dit, si vous avez d'autres suggestions de petits tutos comme ça, mais hyper utiles, bah franchement, je suis preneur. Parce qu'en ce moment, j'ai des fois des petits problèmes de. Des petits problèmes d'idées, quoi. Parce que je trouve pas, c'est assez compliqué de trouver. Du coup, voilà. Comme ceci. Franchement, bah merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine, à bientôt, à plus.